Ben pour nous, c'était. On a formé des amitiés, même jusqu'à maintenant, on est revenu, puis c'est comme si on était encore là en 93. C'était pour nous, c'était comme jouer au plus haut niveau en Amérique du Nord. On a joué dans la CSL avant, et puis on est revenu au plus gros stage qu'il y avait en Amérique du Nord. Et puis on voulait se comparer à ce qu'il y avait là, puis ça ne nous a pas pris longtemps. Une année après, on a gagné le championnat, puis ça a été bien mérité parce qu'on est... On était des joueurs locaux, la plupart. On a ajouté un, deux, trois joueurs, mais quand même, c'était le nucléus, c'était les joueurs locaux. Et puis, j'étais fier de ça. Oui, quand Kady est parti, on avait déjà formé un esprit d'équipe. Et puis, avec Valerio qui a commencé avec l'équipe, on a décidé, bon, on a vu qu'est-ce que c'était la compétition. Et puis, on a fait un assez bon... saison régulière. On est entré dans les playoffs et puis à ce moment-là, on dit tout est possible et c'est une nouvelle saison pour nous. Et puis on s'améliorait chaque partie et puis c'était le rêve pour nous de gagner le championnat. Oui, absolument. Mais en étant un joueur local et puis on a commencé, on se connaissait tous, on était tous ensemble au niveau de jeunesse et puis c'était bien de voir ça et maintenant voir la franchise où est-ce qu'elle est maintenant en étant. Un des fondateurs pour dire que ça a tout commencé avec nous. J'étais fier de ça et puis je pense qu'on a une petite partie, tout le monde, qu'on est fier d'être membre de l'Impact, de la famille de l'Impact.